Hello les amis, alors on va voir si les chèvres ça aime les grenades. Alors les feuilles c'est bon. Et ça? Ah, ça aussi. Faut croire que c'est délicieux. Ouais, ça lui fait un petit rouge à lèvres comme ça. Qu'est-ce qu'il y a toi? Celle-là qui vient me demander de l'aide, elle veut aussi. Allez, on partage. Allez, on partage. Hop. Là. On se bagarre pas. Hey. Non, lui il partage pas. C'est lui le boss. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Non? Tu veux plus? Je le pose par terre, tiens. Bon, bah, tout le monde aime les grenades. Viens là, toi. T'as vu, t'as trouvé un bout. Bon, bah après avoir mangé tous les kakis, il en reste encore un petit peu. Alors chaque jour, les plus mûrs ils tombent. Et tous les matins, ils ont droit à leur dizaine de kakis. Là, il y en a encore par là. Alors, cet arbre a été vraiment très très chargé. Je n'ai pas compté, mais peut-être 200 à 300 kakis, facile, hein. Alors moi j'en ai pris pour moi, j'en ai donné à droite à gauche, et puis ceux qui tombent, qui sont un peu pourris, ben c'est pour les poules et les chèvres. Alors si vous n'avez pas encore de kaki dans votre jardin, c'est vraiment un des premiers trucs à planter parce que c'est vraiment l'abondance à l'extrême. Alors moi ce que je fais avec les kakis, c'est que je les prends comme ça. Quand ils commencent à peine à devenir orange, je les prends et je les mets dans une caisse dans le noir, à l'abri. Et puis au fur et à mesure, ils mûrissent tout seuls. Puis quand il y en a un qui est mûr, je le mange quoi. Mais je laisse pas, je prends pas tout, je laisse pour les chèvres et les poules. Là, il y en a qui pourrissent, qui tombent. Tout cas, elles adorent ça. Tu fais quoi? Tu me fais un petit massage? Mmh.
Voilà, à bientôt les amis.